Critique animaux fantastiques. Les secrets de Dumbledore. Vous allez bien les gars? Moi je vais super. Du coup bah. Bah voilà. Du coup. Moi si vous aussi ça va. Voilà. Oui, on est dans un retard assez différent, je sais. Voilà. Bah déjà les points. Les points posés, bien sûr, cette vidéo quand t'as des spoilers. Alors, une vidéo va arriver bientôt sur fin. Déjà les points positifs du film. Bah c'est les graphismes, les monstres. Et voilà. On reste toujours à dire. Voilà. Et donc les points négatifs. Bah non, ah oui, il y a aussi si ce qui pourrait être bien c'est aussi genre les trucs genre les le truc de dirigeant et tout ça. Peu comme non, c'est bien. Je vais pas parler d'avant, voilà. Après le point négatif. Déjà, bah c'est l'histoire. Elle est pas top top en fait. L'histoire, et voilà. Voilà. Elle est pas trop top top en fait. Voilà. Dites-moi si vous avez aimé ce film. Moi je l'ai adoré. Voilà. Bien, hâte de voir le quatrième et la toute nouvelle saga. Bien sûr, il y aura peut-être une critique de animaux. Fantastique, non, de Hogwarts Legacy, sûrement en 2023, voilà, voilà, et donc c'était à Dax, bisous.